Previously. Dans l'épisode précédent, nous avons vu deux matchs contre des gauchers. Un que je perds, un que je gagne. Alors, j'ai acheté un revers sur Amazon. Et durant cette même soirée, en Agère, j'avais également un match contre un droitier. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je joue contre Freddy, classé 90. Je te rappelle qu'on est en Agère. Avant-garde du Rhin, une ligue dans laquelle on a encore ses vieux classements. Alors, j'applique mes schémas habituels. Je démarre sur du latéral sortant. Puisque mon coach m'a dit de faire ça beaucoup contre les droitiers. Et je soupçonne qu'il n'est pas forcément... Il m'a surpris quand même un peu sur les coupes de coup droit. Je m'attendais à pouvoir marquer des points plus facilement. Mais clairement... C'est un match de coupe. Les matchs dont j'ai horreur. Mais voilà, tu vois, j'arrive des fois... J'ai peut-être progressé un peu au service. J'arrive à provoquer des erreurs. À mettre un peu plus d'effet. Là, je me le reprends. Donc, ça va être un match de mouvement pour moi. Un match de cuisse. Amortir tout ça. Et surtout, pas faire d'erreurs sur les poussettes de coup gauche. Où je suis moins fort, forcément. Personnellement, je ne sais pas très bien comment sortir de ce jeu de coupe, sauf quand je peux attaquer du coup gauche, comme là. Il faudrait que je serve lifté, mais mes services liftés sont quand même assez faibles pour l'instant, et dès que je fais une erreur, il frappe à plat. Et j'en fais quand même un paquet dans ce domaine, sur le côté gauche. Bon, côté droit, c'est un peu mieux, alors... Oui, j'ai regardé comment Robin, notre meilleur joueur, faisait, qui est également gaucher sur ses poussettes gauches, mais lui, il les réussit. Moi, j'en suis encore à essayer de les passer. Donc, tant que ça passe pas, j'ai tendance à me rabattre sur mon revers. Bon, à ce jeu-là, on se retrouve à 8 partout. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. À un moment donné, tu vois, tu peux pas continuellement attendre l'erreur de l'autre, surtout que c'est quand même plus probable que ce soit moi qui fasse cette erreur. Donc j'en ai marre, j'essaie de démarrer, mais je le fais comme un manche. 9 partout. Et là, il a un peu amélioré la quantité d'effet dans son service. Ouais. Donc tu vois, la toute petite différence, elle est juste là-dessus. Quelques petites variations à 9-9. Qu'est-ce qu'il était laid, ce revers. Qu'est-ce qu'il était laid. Donc, c'est mon prochain chantier. Frapper des revers un peu académiques et efficaces. Je sais que j'en ai la capacité. J'ai la souplesse des poignets. Je ne l'ai juste jamais vraiment appris à le faire. Et j'ai surtout, pendant 5 ans où j'ai joué comme enfant, j'ai... Ouais, tu vois, regarde, troisième erreur comme ça. Je disais que quand j'ai joué enfant, j'ai joué essentiellement du revers. Et j'ai pris de mauvaises habitudes. J'ai fait une pause jusqu'en 2010. Et depuis 10 ans, j'avais de nouveau bien changé, mais quand même ressuscité certaines de mes mauvaises habitudes. Donc bah, tu les enlèves pas comme ça. Donc là, on est dans un duel de coupe. J'ai l'impression que moi, je me déplace un peu plus, ce qui me donne un certain avantage. Mais tu vois ce qui se passe quand j'essaie de servir lifté. Et que je me rate, donc c'est pas évident de démarrer. Et quelque part, il est en train de muser petit à petit. Alors, ça s'équilibre un peu, mais 3 points d'écart désormais. Encore, c'était la quatrième erreur de ce type-là. Donc, il démarre pas forcément mieux que moi. C'est juste un duel d'usure. Avec des filets, des bords de table, des trucs comme ça, on est d'accord. Ce qui veut dire qu'on est tous les deux en train de chercher juste à placer la balle. Et quand je démarre au bon moment, tu vois, celle-là, je l'avais sentie sur le moment. Elle tournait un peu plus longue. Je peux démarrer et alors ça va. Bon là, c'était minablement exécuté, mais c'est le bon choix tactique. Et on est à 8-8, je crois, 8-9. Tu vois, ça se joue à rien du tout et c'est de nouveau ça. Nerveusement, je trouve ça fatigant. Je pense que c'est aussi ce genre de choses qui a amené Marc à dire il faut que tu changes la plaque de revers,
coûtait un peu plus de contrôle en revers. Et encore une erreur de démarrage qui me coûte la manche, tout bêtement. Donc on est parti. Je change de nouveau la position. C'est pas trop mal. J'ai l'impression. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais je trouve que finalement, c'est pas si mal que ça. Même s'il y a encore quelques problèmes de contrôle, où là, ça sort quand même. Ça sort large. Mais ça sort large parce que je vise un peu plus les bords aussi. Parce que si je joue tout le temps au milieu, ça dure à n'en plus finir. Et si je vise les côtés, des fois, ça sort. Bon, le bilan fait que. Je te rappelle qu'il faut que 2 points d'écart. Hein. Donc. Ça sort aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est pas un niveau fabuleux, on est d'accord. Mais c'est un peu le marigot, je dirais, des petites divisions. Donc quand j'essaie de sortir du jeu de coupe, ben des fois la balle ne passe même pas le filet. Mais c'est comme ça. Et je pense que pour les jeunes, c'est aussi, de ce que j'ai vu, c'est un peu l'enfer du début à jouer contre des gens plus âgés qui passent leur temps à faire coupe-coupe. Alors qu'ils n'ont pas forcément la taille qui permet d'aller juste derrière le filet. Enfin, je sais que nos jeunes qui ont un bon fond de jeu perdent pas mal de matchs sur des trucs un peu comme ça, quoi. Mais bon. Des fois, là-dedans, il y a peut-être des balles que je dois pouvoir attaquer. Ça, c'est attaquable. Si t'as un bon revers, c'est attaquable. Et forcément, j'attaque pas forcément la meilleure. Donc, elle est dehors. Il me semble de plus en plus évident que le bon revers topspiné... C'est le moyen de sortir de ce truc. Bon, je vise un peu les côtés, j'en mets dehors. J'ai tenté un truc étrange. Je sais plus ce que c'était. Et ça a marché. Je vois, c'est un kicker de mal foutu. Enfin, là, tu vois, je me rends compte que c'est des balles qui sont attaquables. Sur la réception, j'ai été surpris par les pitreries. Il a l'air gentil, mais on a du mal à se concentrer quand il est dans la pièce. Qui ont lieu à la table d'à côté. Donc, il faut que je me reconcentre, je me remette dans le match. Et c'est un peu mieux. Ça ressemble à quelque chose. On a enfin un échange qui est un peu correct. Mais déjà une balle de match. Encore une balle de match. Et sur mon point faible, bien trouvé l'endroit. Bien joué Freddy, il m'a usé. Je pense qu'il ne s'est pas promené. Si tu veux devenir extraordinaire, tu es au bon endroit. Tu as vu que j'ai changé de plaque. Désormais, je joue en revers avec un Xiom Musa. Plus de contrôle, vraisemblablement un meilleur contrôle également pour tout ce qui est topspin. D'ailleurs, je t'avais dit que j'allais acheter un revers sur Amazon. J'ai acheté ça. Ce bidule que tu fixes sur une table. Et tu vois, quand tu es là, tu vas maintenant pouvoir venir taper un revers. C'est comme les boxeurs qui font... T'entraîner où que tu sois, t'as du temps à perdre. À perdre, façon de me dire. Tu peux taper des revers, tu peux voir à quelle vitesse tourne cette balle. Et donc, nous allons voir ce soir ce que ça va donner, puisque je retourne à Wilgotheim. Je te rappelle que j'avais tourné une vidéo à Wilgotheim, grosse boulette au tournoi, puisque je m'étais inscrit en tout classement, ne sachant pas que tout classement, c'est pas pour tout le monde. C'est plutôt quand tu as envie de jouer contre des joueurs plus forts, ou que tu estimes que tu pourrais gagner le tournoi global. Autant dire, je me suis pris 2 raclés contre des 15. J'ai appris, je me suis fait des contacts, ça devrait être sympa ce soir. Ce soir, je joue plutôt contre 7, 8, peut-être 11. Autant dire que je vais souffrir, mais ça va être le moment de voir si mes nouveaux coups, parce que j'ai progressé en topspin, pas juste avec ça, bien entendu, avec des cours, peuvent passer. Allez, on découvre ça en images.